Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on s'ouvre 5 éditions spéciales, la crise maximale. Hier, j'en ai ouvert 5 aussi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, vous pouvez aller check. Et j'ai chopé 0 secrets hier, du coup. Donc, j'espère que ces 5 éditions spéciales seront un petit peu meilleures que ceux d'hier. Et on est parti sans plus attendre parce que, ouais, et je suis en train de crever, il fait chaud de ouf. C'est l'été avant l'été, je pense. Ce mois-ci. Mais bon. Alors, on en ouvre une. Et j'espère, parce que vraiment, hier, zéro secrète. Ça veut dire que... Mais j'ai parlé avec pas mal de personnes, ils m'ont dit que minimum, on en avait 3. Donc ça voudrait dire que là, dans ces 5 boîtes, j'ai 3 secrètes, si tout va bien. Bon, on va mettre ça à terre. En tout cas, merci pour vos retours de la vidéo d'hier. Ça fait, ça fait plaisir, clairement. Il n'y a pas rien. Encore. Encore 2 boîtes. Bah, j'espère choper une petite, un petit printemps ou un délire comme ça. Ça pourrait être pas mal, je trouve. Voilà, on a tout ouvert. Bon, les cartes promo, je vais quand même les ouvrir pour ceux. Bah, je ne peux pas les ouvrir. Ils sont là. Pour ceux qui connaissent pas du tout, bah on a... Si, je les ouvre. Allez, tant qu'à faire. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. On a ces 2 cartes promo là. Possible. Le dragon qui était déjà, qui existait déjà à l'époque. On pouvait le choper dans... Je crois que c'était du Dexal. Je sais plus. Je sais plus exactement. Et le numéro S0. Et piège bougie qui est aussi disponible en carte promo. Donc voilà, ça c'est les 4 cartes promotionnelles de ces éditions SP. Et donc, ce qu'on veut, c'est de la secrète. Oh, je suis perdu, j'ai mis des boosters partout, là. Allez, c'est parti. Allez. Moi, je dis 2 secrètes. 2 secrètes, c'est le minimum. 3, bah, ça serait le must. Et au moins, je serais sûr que ce soit 3. Parce que beaucoup de gens disent qu'on a 3 secrètes dans une display entière. J'ai plus trop le souvenir d'en avoir eu 3. Mais j'espère. Combat. Spirale spectre et derrière... Infinité, roi suprême du portail. Kaiser, ok. Et imagine, j'ai pas de secrète du tout. Hein. Je serais pas bien. Crash Pira, ok. Main gauche du magicien. Dragon piège pot artiste. Pièce, excusez-moi. Dragon pièce pot artiste qui tombe. Pareil, c'est là, c'est la. Première ou deuxième fois que je la chope cette carte-là, elle me dit absolument rien, c'est la numéro 5. Ok, la série c'est MACR pour ceux qui veulent regarder. Et Cascade Dame de Dragon, qui est plutôt sympa. Mono, Dame douce, stylé pour Noël, impeccable. Et le petit Zodiac Poussière de Diamant. Non, là je sens qu'il y a une secrète dans celui-là, je vais le mettre après. Je sais pas pourquoi je le sens. Allez, main gauche du magicien. Mondel, Apocalypse, Puissance, Spirale Spectre. Bah tiens, il tombe une deuxième fois. T'as moi qui dit qu'elle tombe jamais, là je la chope 2 fois. Non, je l'avais pas chopé avec sa petite pièce en plein milieu du front là. Nickel. Oh, j'y ai cru sur le coup. Quai et poussiéron de diamant. Attaque. Un signal d'insecte. Allez. Insecte numérique. Ciseau Jack. Ariel prêtresse. Ok, derrière. C'est du lourd. Bon. En plus, j'ai ma petite dinde douce à la fin. Et le diapason qui retombe. Yugi Muto, j'ai vu ton commentaire, tu m'as dit 3 secrets minimum. J'ai confiance en toi. Ma gauche. Élève céleste pot artiste. Et derrière. Animal féerique Luna. Ok, toujours pas. Crâne de marbre. Vitesse ruide.
Insecte numérique, hirondelle, spirale spectre, combat final subterreur, et derrière, infinité roi suprême du portail. Non mais sérieusement. Ok, mon petit babouin qui retombe, le crâne. Bon, je vais ouvrir celui-là, j'avais dit que j'avais une secrète dans celle-là. Je sens que j'ai l'âme des cartes en moi. Regardez, je vais vous montrer la preuve. Behemoth, malveillance vitesse roïde, danseuse de revue pot artiste, fou de feu. Un petit près de la plante qui tombe, et derrière, une secrète bien sûr, regardez. Oh les gars, Chavez, mais Chavez, vous avez pas confiance en moi, bah je vous le prouve. Je l'avais même posé de côté. C'est l'âme des cartes clairement. Le diagramme qui tombe. Je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment. Je crois que je suis fait pour ça, je suis fait pour ouvrir du booster. Nickel, le diagramme draconique. Je vais la mettre de côté, je vais même la mettre sous pochette parce que ça c'est une carte qui est recherchée. Je l'ai déjà dans la collection, mais bon. Voilà. Je savais, je sais pas pourquoi. Ok, celle-là je l'ai mélangée, elle est ici. Donc normalement encore deux secrètes. Hein. Elle est pas dans ce booster-là. Ah, le diagramme qui tombe. C'est bon ça. Buff fantôme, malveillance astéroïde, magot du magicien. Il y a encore une près de la plante qui tombe. Tout à l'heure on a eu celle-là et après on a eu la secrète. Peut-être, peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah, je suis quand même content que le diagramme y tombe. Après je préfère avoir printemps plutôt, mais bon. Printemps, j'ai un pote qui la recherche, à moins qu'il a trouvé, je sais pas. Crash Spirale Spectre, Ariel Prêtresse, et derrière, Mademoiselle Majesté, véritable Dracomagicienne, ok. Dracogicienne, excusez-moi. Mission Spirale, le crâne, encore une fois, Dinde Douce, et du Zodiac. Les communes, s'il y en a qui seront intéressés pour les communes, parce que les communes, je les mets jamais dans mes vidéos de vente ou sur le groupe, parce que c'est des cartes qui cotent 10, 20. 30 centimes, de temps en temps 50 centimes et 1 euro pour les plus recherchés des communes. Mais souvent je fais des lots de 200 cartes et je voulais pas, sinon je les ai tous dans ma collection les communes. J'en ai gardé 3 de chaque de ceux que je voulais jouer dans certains decks. Mais là, si vous êtes intéressé par des communes, envoyez-moi un mail. Parce qu'ils vont rester là, ils vont traîner. Près de la plante, ok. L'artefact. Ah, d'accord. Je viens de tilter à peu près le dessin de l'artefact. Mais c'est quoi ça? Je sais pas. Remplacement pendule. Et on a le petit rossignol indépendant qui retombe. Double diapason. Donc ça veut dire que dans ça, il doit y avoir deux secrètes. Si tu dis vrai, Yugi Muto. Mais j'ai confiance en toi. Il y a deux secrètes là-dedans. On va voir ça. On va vérifier. On va vérifier. Alors. Ah, je la kiffe cette carte. Magnifique. Fantôme Dédé. Le roi de pierre. Et derrière. Oh, elle était pas tombée hier. Bon, c'est pas une secrète, mais elle était pas tombée. Et elle est recherchée cette carte-là. On l'a déjà demandé pas mal de fois. En plus, l'illustration, je trouve juste magnifique. Derrière, avec les arbres, avec leurs feuilles un petit peu roses comme ça. Je trouve juste stylé. Vraiment stylé. Un petit côté mystérieux et tout ça, tu vois. Ok, détachement. Bon, j'y crois pas, c'est pas possible. 4 boosters de secrètes dans ça. Au moins, on va savoir, on va savoir. Hier, j'avais pas chopé de secrètes, aujourd'hui, j'en chope une. On va savoir que dans une édition spéciale, une display entière, on peut avoir minimum. Échange de cadeaux, Ariel. Cauchemar sans fin. D'accord, bah je me tais, une secrète, d'accord, tu avais raison, il doit y avoir une troisième, hein, Yugi Muto, une troisième normalement, mais cauchemar sans fin qui tombe, en plus je l'avais pas droppé, après c'est une petite secrète, hein. C'est pas une secrète qui cote énormément, mais je l'avais pas, elle est belle, j'aime bien l'illustration, ok, on va mettre ça de côté, on va la mettre aussi sous pochette,
une dame douce. Et il manque une secrète à rendre. C'est fra. Matos et spirale, dernier ressort. Putain, qui est... j'allais tomber une fois, je pense, et encore. Ok. On est de côté. La cascade dame de dragon. Elle me dit rien du tout, cette carte, par contre. Ça me fait penser à Matrix, c'est quand ils se mettent dans les robots comme ça à la fin. Mais si, tu connais, je sais. Allez, plus que deux boosters. Plus que deux boosters. Fantôme des dés. Roi suprême. Golem Hugo Pratiste. Et derrière. Le rossignol indépendant qui retombe encore une fois. Donc là, on a une secrète. Hein. Il paraît qu'on a une secrète. Allez, s'il te plaît. Voilà, moi, au moins, on sera sûr qu'on a trois secrètes par édition spé. Ça sera confirmé. Échange de cadeaux. Buff fantôme. BES grand vaisseau MK3. Et derrière, une secrète. Du tout. Donc voilà, donc le ratio, c'est aussi deux. Bah, le ratio, en tout cas, ce que moi j'ai eu, ça sera deux secrètes, en tout cas, dans 10 paquets d'édition spéciale Animal Feric Luna. Ok, parlement d'immobile brume, signal d'insecte. Ok, et je l'ai mélangé. Ouais, ces deux-là, on va les mettre ici. Donc ce que j'ai eu aujourd'hui, bon, déjà, c'est ces deux petites secrètes. Je vais la mettre directement sous protège, même si la secrète ne cote quasi rien. Et ben, il y a des collectionneurs, si je l'échange ou je la vends à un collectionneur, ben, je préfère qu'il la directement en excellent état, comme c'est une secrète quand même. Donc voilà, les deux on les met ici. Donc le petit diagramme et le cauchemar sans fin. Et après les petites classiques, on va les passer. Alors celle-là, je vais la garder, parce que je pense que je ne l'ai pas dans mon classeur. Je crois que j'en avais vu une autre, c'était laquelle ? Potard l'élève, je l'avais déjà. Oui, le dragon pièce potartiste qui me disait rien non plus. Ok, bah c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, on a quand même chopé deux secrètes. Maintenant, au moins, vous savez vraiment que qu'une boîte comme celle-ci, qui comporte 10 éditions spéciales, qui cote souvent, on va dire, entre 95 jusqu'à 110 euros, ça dépend des sites, bah vous avez que deux secrètes dessus. Donc moi, je vous conseille largement, si vous voulez vraiment choper de bonnes cartes, d'acheter les petits displays à 70 euros ou à l'intérieur, vous êtes sûr d'avoir minimum de secrètes aussi, et c'est moins cher pour vous. Après, si vous kiffez les éditions, les cartes promotionnelles, à vous de voir directement ce que vous voulez choper. Donc demain, on se retrouve. Pourquoi demain? Demain, je pense qu'on s'ouvre ça, tranquillou. J'avais vraiment kiffé ces séries-là, la saga du dueliste, et on va s'ouvrir ça. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Sur ce, je vous laisse. On se dit demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.